J'essaie de le classer. Évidemment, la question dépend beaucoup de l'état du dossier. Si le dossier comporte des éléments manifestement hétérogènes, comme par exemple une documentation, des coupures de journaux, des carnets de notes, des débuts d'écriture, je les sépare. Si on part de l'idée qu'un dossier, c'est un manuscrit, c'est-à-dire la trace d'une activité déjà engagée, j'essaye de le classer dans l'ordre chronologique en tant que je peux. Oui, absolument. Un autre, ça c'est bien formulé, ce sont différents types d'informations qu'il faut cumuler. Par exemple, pour le papier, il faut le décrire. Bon, aujourd'hui, tout ça fait partie de la technique génétique. On sait décrire une feuille de papier. Ce qu'on sait un peu moins bien, pas toujours, c'est d'utiliser cette description. Or, c'est tout à fait simple, il faut avoir une représentation graphique, c'est-à-dire avoir un tableau des différents types de papier, éventuellement des types de papier matériellement parlant, mais éventuellement aussi en fonction de la manière dont ils ont été traités par l'écrivain. Et la répartition des papiers donne une information, la première si on veut, puisque paraît logique de commencer par l'observation matérielle, dans le même ordre d'idée. L'écriture, on vient de voir des changements d'écriture. Si on sait que tel type d'écriture intervient à tel moment, l'écrivain change à un moment de son travail d'instrument, c'est encore un indice de classement. Quelquefois, on a besoin d'ailleurs d'avoir un peu plus qu'un classement, on a besoin d'avoir une idée de la datation pour des documents qui sont un peu plus anciens. Il faut grossièrement, en tout cas, les situer. Et donc, il y a une grille d'informations matérielles, papier, écriture, qui se complète évidemment par une autre grille qui est la façon dont ça a été traité, dont l'écrivain en a disposé, et puis évidemment les informations textuelles. Il faut bien se rendre compte que les résultats de ce travail sont des hypothèses de travail plus ou moins fortes. J'avais à classer par exemple le fonds Hayne, grand fonds, 5 000 feuillets, et j'ai pris le parti tout bête de commencer dans une œuvre par les premiers brouillons. Et puis un jour est arrivé quelqu'un qui éditait l'un de ces textes, et il m'a dit, mais vous savez, ce que vous avez classé comme premier brouillon, c'est pas le premier brouillon, c'est les brouillons de la seconde version. Je n'avais pas cette information à l'époque, et donc il y a toujours un volume mal classé à la Bibliothèque nationale, même quand on le fait très consciencieusement. La chronologie elle-même, la notion du temps dans l'écriture est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'on s'imagine. On pense que quand on a reconstitué la séquence, on a reconstitué le temps, mais ce n'est pas vrai. Une séquence, ça peut être deux feuillets qui... Bon, recto verso, c'est un bon exemple. Là, on a une séquence. En général, on part de l'idée qu'il y a une contiguïté dans le temps. Ce n'est pas forcément vrai. Non plus, il peut y avoir 20 ans entre le recto et le verso. On essaye d'organiser au mieux le dossier, étant entendu que pour les conservateurs, c'est la fin de leur travail, ensuite ça part à la rayure et tout est dit, et après le problème commence, et pour nous c'est une étape de notre travail, on commence ensuite à l'étudier, ce dossier, ce qui peut rétroactivement nous conduire aussi à revenir sur la manière dont on l'avait classé.
On a commencé un peu ex abrupto avec le dossier qui est sur la table. Mais évidemment, on ne va pas commencer à le regarder en partant de l'hypothèse qu'on en ignore tout. C'est évidemment un stade préalable qui est celui de l'information sur son parcours. Comment est-il arrivé là? Sait-on s'il est complet? Quel a été son parcours? C'est souvent un travail dans des documents qui ont un siècle et plus. C'est souvent un travail important, à la fois important au sens de long et au sens de résultat, parce qu'on a fait des découvertes extraordinaires. Depuis la mort de Heine, on a toujours parlé du manuscrit perdu de ses mémoires, jusqu'au moment où, en regroupant le destin des différents manuscrits, on a pu établir que c'est un manuscrit qui n'a jamais existé, et ainsi de suite. Donc il y a la préhistoire avant. Qu'est-ce que j'ai ici sur la table? D'où ça me vient? Qu'est-ce que ça veut dire que je l'ai? La réponse est dans la question. Quelle est la définition du texte dont on parle? Mais ça, ce sont des éléments thématiques, ce ne sont pas des éléments textuels. Textuel implique une formulation. Alors, j'ai publié un truc qui était très discuté dans le temps, qui portait comme titre une citation, et ça s'appelait « Le texte n'existe pas ». Ça a été violemment discuté. Et je voulais dire simplement qu'on n'avait pas de définition univoque et générale du texte. Quand on pose la question aujourd'hui, on te répond que le texte est défini par sa consistance linguistique, c'est-à-dire qu'il faut que la phrase ait une construction et un sens. Mais c'est très relatif. On lit aujourd'hui comme des œuvres, des textes, entre guillemets, qui, il y a 50 ans, auraient été considérés comme des brouillons. Joyce, au 19e siècle, ça n'aurait pas été considéré comme un texte. Donc le critère de textualité ne me paraît pas très consistant. Je trouve que c'est intuitivement qu'on dit qu'il y a tel passage qui est déjà textualisé. Évidemment, quand on a des mots qui sont éclatés sur une page, on peut dire que ce n'est pas un texte. Mais je ne sais pas s'il faut pousser tellement cette réflexion, parce que finalement, à quoi ça nous avance de savoir si c'est du texte ou pas? Est-ce que c'est une notion qu'on peut rendre opératoire? Ça, j'en doute un peu. On a eu une réflexion qui n'était pas inintéressante de Rifater, qui a essayé de concilier son approche théorique avec la nôtre et qui voit dans la Genèse une émergence d'un texte et qui reprend le vieux terme de littérarité pour dire qu'à partir de telle étape, la littérarité se manifeste dans l'écriture. C'est une réflexion qui manque pas d'intérêt, mais qui est pas, qui n'a pas vraiment la consistance d'un critère, je ne dirais même pas scientifique, mais objectivement manipulable. Donc je reste. Je crois que la notion de texte a été un peu artificiellement conceptualisée à l'époque du structuralisme, où ce qui était important dans la notion de texte, c'est qu'elle permettait de libérer l'œuvre des explications causales et de dire c'est parce que tel écrivain avait telle préoccupation, c'est parce que la société à l'époque, etc., que l'œuvre est ce qu'elle est. Et alors, l'idée était d'étudier l'œuvre
en elle-même. Et du coup, la notion de texte, pour les structuralistes, est devenue une notion fondamentale. Mais quand on pense aux formulations de Barthes, le texte se tient dans la langue, le livre dans la main, il y a du vrai, c'est une jolie formule, mais si le texte se tient dans la langue, c'est évidemment qu'il est infini et qu'il se tisse. Et donc quand on étudie un objet concret comme un manuscrit, je ne vois pas que la notion de texte me serve beaucoup. Moi, c'est une phrase qui montre comme le structuralisme était encore pesant. Je ne dirai plus aujourd'hui, je dirai pour retrouver l'œuvre. Je préfère de beaucoup la notion d'œuvre à la notion de texte, parce qu'il y a dans la notion de texte quelque chose. Il y a beaucoup de choses, comme on vient de le voir, je n'ai pas tout dit. Il y a dans la notion de texte quelque chose avec quoi il faut s'expliquer, c'est la notion de cohérence. On sait bien que quand on change un mot sur une page, c'est plus la même page. Et donc, il y a une réalité qui est que ce qui est dit est dit, et ce qui n'est pas dit n'est pas dit, et que ça fait une différence, et qu'il faut donc regarder ce qui est donné. Et donc, je ne récuse pas du tout la notion de la cohésion de l'œuvre, mais je préfère parler d'œuvre parce que là je sais de quoi je parle. C'est que, alors on passe à un point qui est lié au précédent mais qui est un peu différent, c'est le caractère définitif de l'œuvre, n'est-ce pas? On est très impressionné. Bon, j'ai moi-même cité l'exemple d'Éluard, qui a complètement, enfin complètement non, mais qui a donné une autre portée à son poème en ayant l'idée à la fin de dire « J'écris ton nom, liberté ». Bon, c'est le dernier mot du poème qui évidemment a une grande influence sur la manière de le lire. Mais de ces exemples qui sont un peu limites de la poésie pure, on puisse conclure que chaque œuvre représente la seule forme possible. Je crois que la génétique nous montre précisément que ce n'est pas vrai. Par exemple, Brecht s'est amusé à critiquer le poème de... de la poétesse allemande. Le nom va me revenir quand je ne parlerai plus. Il a dit là... Elle n'a pas bien formulé, il faudrait l'écrire autrement. C'est une opération qui est parfaitement plaidable. Et si on n'avait jamais eu le texte de l'auteur, mais le texte réécrit par Brecht, on trouverait que c'est très bien. Donc j'avais trouvé une formule qui sonne un peu comme ça, en disant que le texte, que l'œuvre était un nécessaire possible pour montrer qu'elle avait sa raison d'être, sa cohérence propre. Mais que celle-ci n'était pas absolue, toute œuvre n'est pas une perfection, et toute œuvre n'est pas l'unique solution aux questions que l'écrivain se posait. Et si quelqu'un le montre, c'est bien la génétique, puisqu'elle montre tous les cas de figure qui ont été envisagés par l'écrivain avant qu'il rende son œuvre et après qu'il l'ait rendue, assez souvent encore. Alors, c'est une question qui est très simple quand on la regarde du point de vue de la réalité sociale. Le texte se sépare de l'auteur une fois qu'il est imprimé. Il traverse d'ailleurs une série de modifications tout à fait notables.
qui ne sont plus du fait de l'auteur et qui suffisent à montrer qu'il y a là une bande de terrain qu'on traverse, qu'on n'a jamais beaucoup étudié, alors que les généticiens devraient le faire, qui est le passage du texte au livre, et puis le livre, on peut le tenir à la main, chacun, on peut l'acheter. Il commence sa circulation sociale, qui d'ailleurs retentit d'une certaine façon sur la génétique, parce que ce sont les œuvres qui ont été consacrées par la culture, qui sont préférentiellement l'objet de notre étude. Cela dit, le texte publié, il a été écrit par l'écrivain, par le même écrivain que celui qui a écrit Le Brouillon. Il n'est pas d'une nature différente. Alors, la façon dont un écrivain se sépare de son œuvre, on a toujours un petit peu la métaphore du sculpteur, le dernier coup de ciseaux donné, le moule tombe et l'œuvre apparaît. C'est pour ça que, par exemple, la statue de Rodin a été un objet de scandale, quand celle qui est boulevard Raspail, parce que on avait l'impression qu'il gardait encore les plis du moulage. La façon dont l'auteur lui-même considère ça est infiniment variable. Alors, nous avons des gens comme Céline qui disent tout ce qui s'imprime pas, c'est du music-hall. Et nous avons des gens comme Valéry qui disent c'est l'accident qui fait que l'œuvre n'est jamais achevée mais abandonnée, et elle est abandonnée par accident. Et Claude Simon, quand je lui posais la question, m'a répondu quelque chose comme je vois plus trop ce qu'il y aurait encore à faire. C'est assez rare que, enfin ça existe, mais ce n'est pas du tout le cas général, que l'écrivain ait l'impression d'avoir touché au point de perfection où il voulait arriver. D'ailleurs, c'est assez rare qu'on soit totalement satisfait par ce qu'on a fait, même quand on n'est pas écrivain. Donc, je ne suis pas convaincu. Je pense que l'écrivain commence à se séparer de l'œuvre au moment où il prend la plume. Parce que là, il y a vraiment une séparation. Ce ne sont plus des processus mentaux. Il y a quelque chose qui existe en face de lui, qui est la trace de son écriture. Et comme disait très bien Ricoeur, on ne peut plus le supprimer. Sinon, par la violence, on le déchire ou on le brûle. Mais sinon, c'est passé à l'état d'objet qui a une existence matérielle. Et il y a, comme le disait Valéry, cet instant où la plume doit suivre un commandement unique, heureux ou non. C'est-à-dire où tout ce qui se brouille dans la tête, on ne peut pas tout écrire à la fois. Et donc, on écrit. À ce moment-là, il commence à exister un processus des réalisations. C'est pour ça que je plaide pour la thèse qui fait commencer l'œuvre avec le premier trait de plume. Mais ça peut beaucoup se discuter aussi. Je pense que c'est la même chose. L'écrivain écrit et écrit, et puis à un moment donné de son travail, pour des raisons qui sont extrêmement diverses, ce travail est publié. Mais il a écrit le bouquin, le texte qui figure dans le bouquin est écrit exactement de la même façon qu'avec la même plume sur le même papier. C'est une des étapes du processus génétique. Quelquefois, c'est la dernière, il n'y touchera plus. Quelquefois, c'est une étape temporaire dans le temps parce qu'il va y revenir, le changer. Finalement, la jeunesse chez Ronsard, c'est les versions successives, des éditions successives de ses poèmes. C'est même pas au niveau du manuscrit qu'on peut les connaître. On les connaît par les éditions qui arrivent après. Donc pour moi, une œuvre, elle est écrite absolument comme une non-œuvre. Il n'y a pas de différence de nature. Il se peut qu'à un moment donné, l'écrivain range un tas de feuillets informes
des sites que classés comme ça se suivrait bien. Par exemple, Aragon, bon, il aime à être un peu pittoresque, mais il a dit à un moment donné dans théâtre roman, je ne savais plus très bien comment faire, je me suis amusé à battre mes feuilles comme un jeu de cartes et à les lire pour voir ce que ça donnait. Donc la forme définitive, elle peut se prendre à la suite d'une remise au net, comme d'un réclassement, comme d'une série de corrections sur la dactylographie. Le processus dans mon esprit est continu. Il n'y a pas de rupture entre ce qui a été écrit et ce qui a été publié. Sinon, le fait que l'éditeur a tripoté tout ça, l'a changé sémiotiquement, l'a changé matériellement, et que se passait dans le domaine public. Mais finalement, les œuvres de Kafka qu'on lit, elles n'ont jamais été approuvées par Kafka. Elles diffèrent, bon, elles sont quelquefois inachevées, bon, mais quand elles ne le sont pas, elles ne diffèrent pas foncièrement des autres. Sauf que lui, il n'en était pas content, et nous, aujourd'hui, on trouve que c'est très bien quand même. Non, pas à mon avis, mais je ne suis pas sûr de parler ici au nom de tous mes collègues. Bon, l'information chronologique est une information. Aucune information ne peut être exclue parce que c'est illégitime du point de vue de la cohérence du raisonnement. Et donc, il est important de connaître la chronologie des opérations. Reste à l'interpréter. Quelquefois, le fait même que telle feuille succède à telle autre peut être absolument décisif et nous apprendre quelque chose de très important. Et quelquefois, les feuilles auraient été écrites dans un ordre différent, ça n'aurait rien changé. Par exemple, dans l'exemple qu'on vient de voir de Jabès, il y a à un moment donné toute une séquence de variantes où il se débat avec son entrée en scène, si on peut dire. On a dit que c'était un peu du travail imposé. Je ne suis pas très sûr que l'ordre dans lequel on les classe soit vraiment décisif. On voit bien qu'il traite un thème avec. Moi, j'ai été intéressé par l'apparition du manuscrit en tant que phénomène, mais qu'il soit apparu à tel moment ou à tel moment. Ça ne me paraît pas décisif. Donc, la chronologie, bon, tout dépend à une grande échelle, évidemment. Il faut commencer, par exemple, le fait que Proust ait écrit, soi-disant, le début et la fin de la recherche simultanément, c'est quand même un phénomène massif. Donc, il faut savoir aussi de quel poids on parle dans l'information chronologique. Mais c'est une. Pour moi, c'est une information parmi d'autres. Je ne suis pas sûr d'être suivi là-dessus, mais je ne pense pas que la chronologie soit la clé du sens. Pas toujours, en tout cas, pas forcément, pas à elle seule, etc. Mais Oui. c'est une question intéressante parce qu'elle est loin d'être claire. On vit toujours sur ce modèle de réconstitution. On parle toujours du fait qu'on a réinventé le mouvement rendu à la jeunesse sa dimension temporelle, etc. Oui, dans son principe, mais c'est pas un principe explicatif toujours décisif. Non. Surtout que le temps, encore une fois, qu'est-ce que c'est? Il a écrit tel feuillet après tel autre, à quelle distance? Il y a des corrections qui sont sur une page, donc les unes sont immédiates parce qu'elles sont dans la ligne, les autres ne sont pas immédiates parce qu'elles sont au-dessus de la ligne. Mais qu'est-ce que ça veut dire comme distance temporelle? Il y a peut-être 10 ans entre les unes et les autres, et peut-être que la correction au-dessus de la ligne, elle est aussi immédiate que l'autre parce qu'il l'a fait tout de suite. Donc les caractéristiques, aussi du côté de ces caractéristiques, le temps est à manier avec précaution.
On le connaît jamais précisément et on n'a pas forcément besoin de tout expliquer par la chronologie. C'est aussi pour ça, en partie, que la notion d'œuvre par rapport à la Genèse, la séparation. Bon, là, c'est vraiment un parti pris. Il y a des gens qui ont plaidé très clairement et très fortement. L'éditeur de Valéry emploie une métaphore en disant l'œuvre se dégage de sa Genèse comme un oiseau qui, d'un coup d'aile, s'élève au-dessus de la poussière qu'il a vue naître. Donc, il fait une coupure radicale. Et il dit, c'est Nadal, il dit que rien de ce qui a été écrit avant n'a de signification. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il a fait une édition intégrale du brouillon de la Jeune Parc et il a expliqué combien c'était fascinant. Mais sur le plan esthétique, il est resté ferme. Et d'ailleurs, nous avons eu des controverses. Par exemple, le titre, le texte n'existe pas, a été critiqué parce que les gens y ont vu une atteinte au principe de la beauté, tout simplement. Alors, n'importe quoi peut être beau, c'est inadmissible. Mais en fait, il y a un processus qui comporte une étape terminale ou pas, et le fait que l'écrivain ne soit pas allé plus loin à ce moment-là peut être très important ou pas. Je crois que c'est le lecteur qui fait le texte. On lit La recherche du temps perdu comme si ça existait. C'est bien tard, quand je suis déjà devenu critique de métier, que je me suis rendu compte qu'on lisait dans la Pléiade des phrases qui n'avaient pas de sens. Mais tant que tu n'es pas vraiment, quand ton attention n'est pas vraiment appelée là-dessus, tu lis là-dessus. Quand j'ai relu maintenant La Chartreuse de Parme, je m'aperçois que ça tient pas debout. Ça n'a ni queue ni tête. Mais on trouve que c'est génial, parce que c'est génial, mais il aurait pu se donner la peine de mettre tout ça un peu plus en forme. Ça n'aurait probablement pas été plus mal. C'est moins vrai du rouge et du noir, mais ne parlons pas de Lucien Levennes. Donc, non, je n'arrive pas, c'est pas par principe, je n'arrive pas à rendre productive cette idée. Je viens de lire maintenant un grand article allemand très intéressant qui dit que la critique génétique a mis la littérature, a bousculé la littérature, l'a mise des pieds sur la tête ou de la tête sur les pieds, c'est comme on veut, en substituant à la notion d'œuvre la notion de création. Et donc, que nous pensons que la littérature n'existe que tant que le travail est en cours. Je trouve que je pense que toute opposition, finalement, toute opposition de principe et générale entre une œuvre imprimée et une œuvre en train qui n'a pas été imprimée, n'est pas pertinente. Dans tel ou tel cas, on peut le dire, mais ce n'est pas un principe esthétique. Alors, d'abord, l'auteur ne peut pas lire son texte. Ça, par exemple, Gracq le dit très simplement, il me dit, je ne peux pas le lire puisque je l'ai écrit. Et donc, il distingue très simplement l'écriture de la lecture. L'œuvre n'aura pas d'existence. Alors, il y a deux choses. Il y a le lecteur en tant qu'abstraction. Le lecteur, il est en face d'une œuvre d'art. Ici, c'est une œuvre qui est faite de mots, mais ça peut être un tableau, ça peut être une composition musicale. Il en fait quelque chose, chacun sait que chacun en fait quelque chose de personnel, sinon ce ne serait pas de l'art.
C'est la définition. La lecture est une opération décisive pour chacun et d'une certaine façon pour la critique, dans la mesure où elle devient un phénomène culturel, mais elle n'est pas une opération décisive pour l'apparition de cette œuvre. C'est pas le lecteur. Le lecteur ne lit jamais une œuvre comme un écrivain. D'abord, il a un livre, il sait qu'il a une histoire qui va se terminer. Mais l'écrivain qui écrit, il sait pas du tout si ça va, si ça va donner un bouquin. Donc, ce sont deux positions qui, pour la critique, se complètent, évidemment. La lecture doit être l'objet de recherche pour que les gens comprennent mieux ce qui se passe, et l'écriture doit être l'objet de recherche pour que les gens comprennent mieux ce qui se passe. Mais l'auteur aussi lit, il lit d'autres auteurs, il lit ce qu'il a écrit lui-même, il lit en écrivant. Il y a des gens, et je ne suis pas sûr que Jabès en soit très loin, qui disent je n'écris pas, je lis, c'est-à-dire qu'ils trouvent qu'ils sont simplement en train de déchiffrer quelque chose, comme le peintre qui disait ma toile est couverte d'une poussière blanche, mais ouais, j'ai un petit pinceau, je la nettoie, et quand je l'ai bien nettoyée, mon tableau est fait. Donc il y a une relation entre lecture et écriture, mais fondamentalement, un lecteur n'a jamais écrit un livre, à moins qu'il soit écrivain. Et un écrivain n'a jamais lu un livre, à moins que ce soit celui d'un autre. Alors, on ne peut pas dire que l'œuvre existe par le regard du lecteur. C'est une formulation ambiguë. Pour le lecteur, elle n'existe que par son regard. Mais tous ces bouquins qui sont sur les rayons de ma bibliothèque, ils y sont, que je les lise ou pas. Alors Mallarmé, qui était toujours extrêmement radical, disait « L'œuvre n'appelle pas l'approche du lecteur. J'irai pas jusque-là. » Enfin, pour lui, c'était deux univers totalement séparés. Alors maintenant, il reste l'autre question, est-ce que la représentation d'un lecteur, d'un public, a une influence sur la façon de travailler de l'écrivain? Bon, mais là, c'est un tout autre problème. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que l'œuvre n'existe pas tant qu'elle n'est pas lue. C'est un constat de fait. Tant qu'on l'a pas lu, tant qu'on n'a pas vu un tableau, on ne peut pas dire qu'il existe. Mais enfin, c'est un peu la discussion théologique. Si je ferme les yeux actuellement, je ne vois plus rien. Donc, ce que je vois en ouvrant les yeux n'existe pas hors de moi. On connaît, c'est tout un débat qui a une grande tradition philosophique. Mais je ne considère pas, si tu veux, que la lecture s'incorpore à l'œuvre, d'une certaine façon. C'est ce que tu semblais avoir un peu tendance à dire. Je crois que c'est un peu le même problème que pour le texte. La réponse est dans la question, qu'est-ce qu'on entend par lire? Alors, parce que c'est comme nous disons très simplement, le terme est frappé d'une forte polysémie, pour que tout le monde comprenne ce qu'on veut dire. Alors, autant je ne peux pas donner une définition du texte, j'en ai pas d'envie. D'ailleurs, autant je m'imagine pouvoir donner une définition de la lecture. La lecture, c'est l'acte que nous accomplissons pour percevoir une œuvre d'art. Comme le regard est un acte que nous accomplissons pour percevoir une œuvre visuelle. Cet acte-là, nous ne l'accomplissons pas sur le manuscrit. Nous regardons un manuscrit, d'abord c'est un objet sémiotiquement tout différent, c'est un objet linguistiquement souvent très différent, il n'a pas nécessairement la faculté d'être lu en ce sens que
il n'y a pas de phrase, les phrases ne s'enchaînent pas. De ce point de vue, on a pu dire, du point de vue de grammairien, que ce n'était pas textualisé. Et souvent, ça ne l'est pas. Et donc, moi, je pense que c'est un petit peu difficile de dire tout ça en quelques mots, mais s'il le faut, je pense qu'un manuscrit, ça se regarde et ça ne se lit pas. Quand je dis que ça se regarde, je ne veux pas dire non plus que ça se contemple sans jouer sur les mots, n'est-ce pas ? On n'est pas devant un manuscrit dans la position de contemplation par laquelle on se saisit de l'existence de l'art dans une œuvre picturale. Le manuscrit n'est pas un objet esthétique en tant qu'objet matériel, mais c'est un objet qui se regarde pour être compris. Ça ne veut pas dire que la compréhension ne soit pas une compréhension d'ordre esthétique, évidemment. Tout ce qui s'accomplit sur un manuscrit, c'est de l'esthétique. Mais ce que nous analysons, c'est la production. C'est ce que je disais à l'école thématique, il n'y a pas de façon d'écrire qui soit plus belle qu'une autre. On ne peut pas, devant un manuscrit, s'extasier en disant, comme c'est génialement composé, l'usage des marges qu'il fait est saisissant, ses ratures sont sublimes. Toutes ces notions n'existent pas dans le manuscrit. Et donc, on le lit pour mieux comprendre ce que c'est que la littérature, pour la voir en devenir et pas uniquement. C'est plutôt la lecture qui serait une contemplation, bien qu'elle soit mobile dans le cas de la musique et de l'écriture, mais